Madame, monsieur, bonjour. C'est encore un bonheur pour nous d'être en votre compagnie en cette mi-journée pour le dernier numéro de On garde le contact pour cette semaine. Nous sommes en compagnie du spiritualiste Maître Bomba qui va nous livrer les prévisions astrologiques pour l'année 2014. On s'excuse d'avance parce que monsieur Nda ne sera pas là aujourd'hui. On ne pourra pas bénéficier de ces délicieux cocktails. Mais on lui fait un coucou. On espère qu'il se porte bien. Il se porte bien d'ailleurs. Et on le retrouvera avec beaucoup de joie dès la semaine prochaine. En seconde partie d'émission, nous aurons encore rendez-vous avec le docteur Brou et Miss Conan. On parlera toujours du bilan de l'année 2013 et de perspectives en ce qui nous concerne pour l'année 2014. On démarre donc avec le jingle Énergie positive. Maître Bomba, bonjour. Bonjour Eva. Alors la semaine dernière, on a parlé de prévisions astrologiques. On n'a fait que quatre signes. Oui. On va épuiser le sujet aujourd'hui. Il faut dire d'abord par définition que l'astrologie même, c'est une méthode permettant de déterminer le destin et les caractères des personnes, hein, à partir d'une étude des astres. Donc quand on parle des astres, on fait allusion aux planètes, les étoiles, le soleil et la lune. Alors, c'est l'ensemble de ces astres qui constitue une zone circulaire appelée zodiaque. Ainsi, le zodiaque est divisé en 12 parties égales. Et chaque partie correspond à un mois. Donc, ce qui fait que dans l'année, nous avons 12 mois et donc 12 signes du zodiaque. Effectivement, la semaine dernière, nous avions déjà parlé des quatre premiers signes, à savoir le bélier, le taureau, le cancer et le jumeau. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le signe lion. Alors, le lion, au niveau du travail et de l'argent, il faut dire que le premier semestre, le travail sera beaucoup stressant pour le lion. Tandis qu'au deuxième semestre, les choses vont beaucoup s'améliorer, et à telle enseigne que le lion va terminer l'année en beauté. Voilà, c'est un signe... dont les collaborateurs vont juger un peu de mauvais côté. Voilà, ils ne vont pas bien le juger au niveau du travail. Ça, c'est au début du premier semestre, les six premiers mois. Mais à la longue, les gens vont l'apprécier et on va lui donner automatiquement raison. Au niveau des affaires également, et en début d'année, les choses seront vraiment au ralenti. Mais également, après les six mois, les choses vont vraiment rentrer en ordre. Maintenant, pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, les mois d'avril, mai et juin sont vraiment très favorables pour déposer des dossiers, faire des stages, etc. Et concernant toujours le lion, il faut dire que le lion, l'argent ne va pas faire défaut durant vraiment l'année, tout le long de l'année. D'accord. En amour, c'est une année qui sera beaucoup... passionné, hein? Il y aura beaucoup de passion, au niveau aussi beaucoup de tendresse au niveau de l'amour. Et c'est l'année aussi pour le lion d'être équilibré en amour. L'année, le chiffre 7 va beaucoup aider le lion afin qu'il soit vraiment équilibré au niveau de l'amour. Vous savez, en spiritualité, c'est l'équilibre qui est plus important. Alors, les mois de mars, juin, juillet seront très favorables pour rencontrer l'âme sœur, pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur. Au niveau santé, il faut dire que le lion doit beaucoup faire attention aux problèmes d'estomac, tout ce qui a trait à l'ulcère, problèmes de cœur également, et vraiment le stress, il doit beaucoup faire attention à ce niveau-là, parce que c'est un signe qui va beaucoup, beaucoup travailler cette année. Et comme élément... pour son équilibre, il aura besoin du parfum lion et de l'encens lion. D'accord. Maintenant, quant aux vierges... Pardon, Maître Bomba, avant de passer donc au signe de la Vierge, on va présenter le docteur Brou, bonjour. Bonjour Eva. S'il y a encore besoin de le présenter. Vous êtes de quel signe? Parce que je vous voyais très, très attentif. Oui, j'écoute. Vous êtes lion? Je crois que poisson. Hein. Ouais. D'accord, on va y venir donc. Okay. Bon, je ne lis pas souvent, mais bon. Ok, on aura vos prévisions pour cette année. Concernant Vierge, travail, finance, il faut dire qu'au niveau du travail, c'est un signe qui aura d'énormes difficultés, même en début d'année. Parce qu'il faut dire que d'abord, c'est un signe, les deux dernières années, c'est un signe qui a beaucoup souffert, surtout en 2013. Mais 2014 est bienvenu pour ce signe-là, vraiment de...
de s'améliorer, d'avoir vraiment les conditions de vie vraiment meilleures. Alors, le premier semestre sera plus favorable que le deuxième semestre. Hein. Alors, il doit fournir assez d'efforts en début d'année. Parce que pour terminer l'année, il faut dès le début vraiment mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir bien la terminer. Il doit faire beaucoup attention au crédit parce que c'est un signe, bon, du point de vue crédit, c'est des personnes vraiment qui t'attendent à prendre crédit pour rembourser certains pays. Cette année, bon, les as ne sont pas du tout favorables pour les histoires de crédit. Voilà. Donc, qu'est-ce que les natifs de la Vierge qui vont prendre des crédits qui ne paieront pas, à quoi ils s'exposent? Au fait, il peut problème de justice, problème de voilà. À ce point. Donc il faudrait qu'ils fassent beaucoup attention cette année, voilà. Maintenant, ceux qui sont à la recherche d'emploi, les mois de juin et juillet sont très favorables, voilà. Au niveau de l'amour, c'est un signe aussi qu'ils n'aiment pas beaucoup écouter quand ils sont en couple. Donc cette année, il faudrait qu'ils occupent beaucoup leurs partenaires parce que le partenaire sera un soutien vraiment très capital, voilà. Et en couple, les liens seront plus serrés. Voilà, le mariage également est au rendez-vous. Et les célibataires aussi ne vont pas vraiment chômer en 2014. Mmh. Toujours vierge, au niveau de la santé, il doit beaucoup faire attention aux douleurs articulaires, à l'appareil génital, à l'appareil digestif. Hein. Ils doivent également contrôler la tension et faire le sport. Voilà, comme conseil, ils auront besoin du parfum vierge et de l'encens vierge. Maintenant, quant aux balances, c'est vraiment l'année où les balances chercheront à tout avoir en même temps. Voilà. C'est une année qui est très favorable pour tous ceux qui sont balances. Voilà. Déjà dans le mois de mars, les balances verront leur vie dira s'améliorer du point de vue travail, foyer, affaires, etc. Des 12 signes du zodiaque. C'est le signe qui sera le plus équilibré en 2014. Alors, voilà. On peut préciser que je suis balance. Donc, j'attendais si la prévision n'était pas bonne, je n'aurais rien dit. Mais bon, comme ça s'annonce plutôt bien. Pour les balances, toujours, c'est une année de grandes opportunités d'affaires et d'épargne. Cette année, ils vont pouvoir vraiment épargner. Parce qu'eux aussi, ils ont ce problème. Vraiment, pour pouvoir épargner, c'est un peu dur. Donc, cette année, l'occasion leur est donnée de pouvoir faire. Bon, pour voilà. Pas de crédit, nous. Non. Les mois de février, mars, avril, très favorables pour trouver vraiment du boulot. Balance toujours côté amour. Il faut dire que c'est un signe qui est beaucoup exigeant quand ils sont en amour. Vraiment, parce que le luxe joue vraiment un grand plan. Et puis, bon, ben. C'est des personnes qui sont très aromatiques. Donc, quand vous avez un bélier, il a beaucoup besoin des fleurs. En tout cas, tout ce qui est vraiment romantique. Voilà, c'est des personnes aussi qui sont très sensibles, mais qui ne tardent pas aussi à quitter une relation. Donc, il faut... voilà, cette année, les as leur donnent beaucoup de chance pour consolider les relations, voire mariage. Voilà, 2014 aussi pour les béliers, ils doivent éviter tout ce qui est tentant. Balance. Balance, excusez. Non, balance toujours, excusez. Oui. Voilà, et 2014, les balances doivent éviter tout ce qui est tentative de séparation ou de divorce parce que les as ne sont pas de leur côté pour les problèmes de séparation. Voilà, les célibataires trouveront également satisfaction à partir du mois d'août jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Au niveau santé, les balances seront très, très chargées. Ils seront beaucoup sollicités en 2014. D'où, il faut qu'ils aient un emploi de temps bien, bien précis. Il faut qu'ils respectent cet emploi de temps pour s'en sortir. Ils doivent également et régulièrement aussi se reposer. Voilà. Et également manger moins gras. Voilà, comme parfum, ils auront besoin du parfum balance et encens balance. Très bien. Voilà. On passe donc au scorpion. Scorpion, travail, finance. 2014 sera l'année du couronnement de tous les efforts fournis depuis 2013. Voilà un signe qui a beaucoup souffert vraiment en 2013. Et cette année 2014, vraiment, ça sera le couronnement de tous ces efforts fournis. Voilà, c'est un signe qui prône beaucoup la tolérance, la réconciliation. C'est un signe qui aime beaucoup la patience. Voilà. Mais qui ont du mal toujours à décoller. Et c'est c'est le problème de Scorpion. Pour décoller, ce n'est pas vraiment facile. Mais cette année, les choses vont vraiment s'améliorer. Et ce qui va faire même que tout ce qu'ils vont entreprendre comme projet
c'est les projets qui les tiennent vraiment à cœur vont vraiment se réaliser. C'est l'année où vous allez plus économiser grâce à votre vigilance. Vous êtes, si vous êtes homme d'affaires, vous aurez de nouveaux chantiers. Hein. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, les mois de janvier, février et août, septembre sont très favorables. Toujours Scorpion, pour parler de l'amour, il faut dire que ce signe souffre beaucoup au niveau de l'amour. C'est des personnes, quand ils sont dans une relation, ça ne dure pas et à chaque fois, c'est la récompense. Voilà. Voilà. Mais l'énergie des arts de cette année, les seront très favorables du point de vue amour. Hein, ils auront vraiment la chance enfin de reconstruire vraiment leur vie sentimentale. En mai et juin, les mois seront très favorables pour tous ceux qui sont à la recherche des âmes sœurs. La page du célibat aussi, bon, pour ceux qui sont célibataires, ils auront l'occasion d'avoir l'âme sœur, voilà, de vivre vraiment en couple. Voilà. Au niveau de la santé, ils doivent faire beaucoup attention à tout ce qui est problème de prostate, d'ulcère, et voilà. Et aussi, ils doivent beaucoup écouter leur organisme. Conseil, ils auront besoin du parfum Scorpion et de l'encens Scorpion. Nos amis Sagittaire, travail, argent. Vous devez entreprendre en 2014. Mmh. Voilà. Ça serait vraiment les mots clés. Voilà. Les mots d'ordre, c'est-à-dire entreprendre. Vous ne devez pas avoir peur des risques. Parce que c'est des personnes, quand ils veulent prendre une décision, ils hésitent beaucoup. Voilà. Alors que la chance se provoque. Donc cette année, vraiment, l'occasion vous est donnée. Battez-vous, lancez-vous et vous aurez vraiment des suites très favorables. Vous serez beaucoup admiré même d'ailleurs au travail. C'est une année vraiment où il y aura beaucoup de promotions. Voilà, mais il faudrait qu'il soit organisé financièrement pour terminer l'année en beauté. Les mois de juin, juillet, août, septembre sont des mois très favorables pour investir, surtout au niveau du transport, au niveau des vivriers et de l'élevage. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, le premier semestre, les 6 premiers mois de l'année, c'est très favorable pour trouver du boulot. Côté amour, c'est une belle année pour faire des rencontres amoureuses, consolider les relations également. C'est un signe qui n'aime pas vraiment les histoires de mariage. Et aussi, quand ils sont en couple, pour une petite complication, tout de suite, ils sont vraiment prêts à se retirer. D'accord. Voilà, quand ça se complique un peu. Voilà. Mais cette année, vraiment, les âmes ne leur donnent pas raison. Il faudrait qu'ils essaient d'éviter tout ça. D'éviter tout ça. Voilà. Les célibataires aussi doivent attendre aussi le deuxième semestre hein, pour trouver vraiment l'âme sœur. Côté santé, attention à tout ce qui est problème des nerfs, au rhumatisme. Hein, ils doivent pratiquer également assez le sport. Comme parfum, ils auront besoin du parfum Sagittaire et de l'encens Sagittaire. Quant à nos amis Capricorne, travail, argent. Début d'année favorable aux nouveaux professionnels, les choses vont s'accélérer en leur faveur. Hein? Des récompenses même sont en vue, avancements, primes, etc. Pour ceux qui font des affaires, le début de l'année n'est pas vraiment favorable pour investir. Hein? Parce qu'en début d'année, lorsque le bélier veut vraiment s'entêter à investir, vraiment il va faire un fiasco. Donc il faut qu'il attende le second semestre voilà, qui sera vraiment très favorable. C'est valable aussi pour les entrées financières. Elles seront très lentes en début d'année, mais très rapide évolution vers la fin de l'année. D'accord. Voilà. Également, le Capricorne aura un point fort, son entourage. Hein, son entourage sera vraiment un soutien capital. Le deuxième semestre favorable pour trouver du travail. Conseillé de faire souvent des dons. Parce que voici parmi les 12 signes, le Capricorne, ils sont un peu durs au niveau financier, un peu avares. Ils sont avares. Voilà, ils sont beaucoup avares. Très avares. Voilà. Alors qu'il faut donner et recevoir. Et c'est d'accord, très important. Madame Nenane est dans le plateau, elle est Sagittaire. Elle tombe. Ah, d'accord. D'accord. Toujours au niveau de l'amour, Capricorne, voilà, c'est un signe qui a du mal à trouver vraiment l'âme sœur. Hein. Eux aussi, ils ont des relations à courte durée. Alors, 2014. Ce signe va trouver vraiment l'âme sœur. Hein? Amen. Voilà, parce que c'est des personnes, ce qui fait souvent le problème des Capricornes, c'est qu'ils sont très sélectifs. Voilà, ils ont trop de petits détails avant de se décider. Ils sont exigeants. Voilà, ils sont beaucoup exigeants. Donc,
Il faut que cette année, ils essaient de voir cela aussi. Voilà. Une année très favorable pour le mariage, surtout au deuxième semestre. C'est-à-dire, si vous voulez entamer les procédures de mariage, il est conseillé de le faire au deuxième semestre. Toujours au Capricorne, et côté santé, voilà, c'est des personnes qui sont qui n'aiment pas se faire soigner. Voilà. Donc, elles sont très négligentes au niveau de la santé. Donc, cette année, quand vous avez un petit bobo, n'hésitez pas à contacter le médecin. Voilà. Ils doivent faire aussi attention à la consommation abusive de la viande rouge. Voilà. Ils doivent manger moins de sucre et faire vraiment le sport. Comme conseil, ils auront besoin du parfum Capricorne et de l'encens Capricorne. Voilà. Et quant au Verseau, au niveau du travail et de l'argent, une belle année qui va permettre au Verseau vraiment de s'épanouir cette année selon l'activité qu'ils vont mener. C'est une année où ils auront de nombreuses opportunités, hein, et surtout aussi ils pourront saisir ces opportunités. Les Verseaux sont des signes, c'est un signe qui a beaucoup d'opportunités, mais pour pouvoir saisir ces opportunités, c'est un peu difficile. Donc ça fait que en 2013, c'est des personnes aussi qui ont eu d'énormes opportunités, même pour pouvoir les finaliser, c'est tout un tas de problèmes. Mais cette année, les choses vont vraiment changer, à telle enseigne qu'ils pourront vraiment maîtriser la situation. Voilà, ils pourront concrétiser. Tous ceux qui font des affaires également, les choses vont s'améliorer. Voilà. Ils doivent éviter d'investir dans le mois de janvier et mars. Ces deux mois ne sont pas du tout favorables pour investir. Voilà. Ils doivent écouter également le partenaire, hein, qui leur sera vraiment une aide vraiment capitale. Voilà. Vous parviendrez à bien gérer votre budget durant l'année 2014, c'est-à-dire le long de 2014, c'est des personnes qui vont pouvoir économiser. Voilà. Chance énorme, et c'est des personnes qui auront assez de chance dans l'immobilier, dans la construction, le transport, etc. Donc, si vous voulez investir, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, les 4 premiers mois de l'année sera très favorable et les 2 derniers mois de l'année. Voilà. Toujours amour Verseau, c'est un signe qui préfère, c'est des personnes qui préfèrent beaucoup plus le célibatariat, voilà, que le mariage. C'est des personnes qui aiment beaucoup vivre en concubinage pendant des années avant de pouvoir se décider. Mais seulement quand il y a un enfant, et les problèmes, quand il y a enfant, dans tout de suite, ils sont prêts, ils s'investissent, et puis vraiment, c'est eux-mêmes qui demandent le mariage. D'accord. Donc, voilà. Pour celles qui sont avec des hommes natifs du Verseau, je pense que la solution est trouvée. Voilà. Il faudra peut-être faire un enfant. Voilà. Mais cette année, ils doivent. Quoique, pardon, on ne fait pas un enfant pour retenir un homme. On en parlera avec le docteur. Voilà. beaucoup de discussions et de disputes en couple, surtout dans le mois de janvier, mars et puis juin. Et juillet. Donc, il faut être beaucoup diplomate, pour régler vraiment vos différences. Le deuxième semestre sera très favorable pour parler de mariage, d'enfants et faire des nouvelles rencontres. Toujours Verseau santé, il doit contrôler l'alimentation, il doit faire assez de sport et contrôler surtout au niveau de la santé dentaire. Il faudrait qu'il essaie de faire un tour chez le médecin. Chez le dentiste, voilà. Et comme conseil, ils auront besoin du parfum Verseau et de l'encens Verseau. Et enfin, poisson, travail. Voilà, docteur Brou, vous allez être plus attentif. Et également, Miss Conan qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ouais, au fait, c'est des personnes, c'est vraiment l'année de la récompense, hein, du travail bien fait. C'est des personnes, quand ils sont engagés dans quelque chose, vraiment, ils se donnent tous les moyens pour pouvoir réussir. D'accord. Donc, mais souvent, ce n'est pas facile pour eux. Mais vu l'énergie de cette année, ça serait vraiment une année de récompense. Hein. Déjà même, bon, au deuxième semestre, ils seront au niveau du travail, la promotion, l'avancement, etc., etc. Pour une bonne année 2014, hein, ne faites pas plusieurs choses à la fois. C'est des personnes qui sont un peu partout. C'est-à-dire qu'ils veulent faire tout. Si peut-être ils sont médecins, mais ils veulent faire ça. Je reconnais bien le docteur. Voilà. Donc, c'est... Mais cette année, vraiment, il faut qu'ils se décident, il faut qu'ils, au moins, ils prennent, bon, même si c'est une ou bien deux, et ils se concentrent, ils vont voir que vraiment, ils vont vraiment réussir. D'accord. Voilà. Vous serez plus tenace que l'année passée, au niveau professionnel, affaires, etc. Hein, de fortes sommes, il y aura de fortes sommes d'entrée d'argent, surtout au deuxième semestre de l'année. Mais... Ayez
Ayez plus confiance en vous. Voilà. Moi, changer la voiture. Les périodes favorables pour trouver du travail pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est surtout les deux premiers mois de l'année 2014, c'est-à-dire janvier, février, et les quatre derniers mois de l'année 2014. Toujours poisson, au niveau amour, l'année sera vraiment favorable pour tous ceux qui veulent vraiment le mariage. Mm-hmm. Mais ils doivent beaucoup en faire attention aux vendeurs d'illusions. Cette année, ils vont rencontrer de nombreux vendeurs d'illusions. Il faut qu'ils arrivent à faire vraiment la distinction. D'accord, donc des garçons qui vont blaguer les le jeunes. Le divorce aussi n'est pas favorable pour cette année. D'accord. Voilà. Le divorce n'a jamais été favorable. Voilà, au niveau toujours de la santé, et ils doivent beaucoup faire attention à l'appareil génital. Voilà, c'est le problème d'infection, c'est des personnes. Les points forts, c'est l'autre côté. Donc, ils doivent beaucoup faire attention là-bas. D'accord. Voilà. Ils doivent faire également le sport. Voilà, et vraiment, les problèmes de dépression, etc., ils doivent beaucoup se reposer. Et comme parfum, ils auront besoin de... Un psychiatre qui déprime, ce serait le comble. C'est possible. Ce serait le comble. C'est des personnes qui travaillent assez. Voilà, ils doivent beaucoup se reposer. Et comme parfum, ils auront besoin du parfum poisson et de l'encens poisson. Très bien. Voilà ce qui était pour l'horoscope. La semaine dernière, on a parlé des quatre premiers signes. Aujourd'hui, on a fini avec les huit derniers signes du zodiaque. Alors, Maître Bomba, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'année 2014 dans sa globalité? Oui, dans sa globalité, il faut dire que c'est une bonne année. Avec le chiffre 7, nous avons dit déjà. Et il faut dire aussi que c'est la couleur bleue qui est la couleur de l'année. Ah ben super, je suis déjà dans les couleurs. Voilà. Et cette couleur également est très favorable aux poissons. Et également, ils ont également le chiffre 7. C'est le chiffre 7 qui correspond au chiffre aux poissons. Poissons, donc l'année vraiment pour les poissons, c'est vraiment exceptionnel. Et pour les balances? Oui, pour les balances, j'en ai déjà parlé. Vous êtes revenu sur les poissons, vous pouvez bien revenir sur moi aussi. Voilà, en tout cas, de manière générale, l'année sera très favorable pour tout le monde. Voilà, parce que c'est une année, l'argent va circuler. C'est une année de spiritualité, qui parle de spiritualité, vraiment. Donc il faut qu'on se rapproche de Dieu également. Voilà, il faudrait qu'on se donne à la prière, à une vie spirituelle. Voilà, il faut qu'on essaie d'aller au-delà de la prière, la connaissance, vraiment, c'est des choses qui vont nous élever spirituellement. Très bien. Voilà. Dernière question, Maître Bouma, c'est quoi votre signe? Je suis cancer. On en a parlé la semaine dernière. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous l'ai dit aujourd'hui avec le docteur Brou et Miss Codon qui sera installée dans quelques instants. On reviendra encore sur l'année 2013 écoulée, sur les perspectives pour l'année 2014. Et puis, à partir de jeudi prochain, on reprendra nos thèmes habituels. Alors, on a parlé de pas mal de choses pendant cette année. On est revenu sur ces thèmes-là hier. On a parlé de femmes battues, d'hommes battus. On a parlé également de... Il y a un téléspectateur qui m'a interpellé hier. On parlait de couples sans enfants. Et cette émission l'avait particulièrement touché parce que c'était un cas qu'il vivait. Alors, docteur. Oui, je pense que le problème des femmes sans enfants ou des familles sans enfants constitue encore une fois de plus une grande pesanteur, une source de souffrance dans les couples. La femme peut être rejetée parce qu'elle ne donne pas d'enfants à la belle famille, à son mari. Et malheureusement, ce qui pose le problème, c'est qu'en Afrique, dès lors qu'il n'y a pas d'enfants dans un couple, la femme est tout de suite considérée comme étant auteur ou incapable de faire des enfants. Alors qu'il existe bien des cas en médecine, on l'a dit ici sur le plateau, où l'absence d'enfants dans un couple peut être due à un problème existant chez l'homme. Quelquefois, les gens ont fait des examens, ils ont tout fait, ça ne va pas, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc ça demeure un problème véritable en Afrique, ça a été cause de divorce. Les femmes sont stigmatisées, elles sont accusées. En général, la femme est beaucoup plus stigmatisée sur cette question. Parce que chez nous, en Afrique, encore une fois de plus, dès qu'il n'y a pas d'enfants, c'est que c'est la femme qui en est l'auteur. On a l'impression que c'est l'enfant même qui donne la valeur à sa femme. Absolument. Donc, ce que je peux retenir et surtout interpeller les hommes, c'est de faire des efforts nécessaires de protéger leurs épouses. Parce que j'ai rencontré des situations où l'homme sait pertinemment, vous savez pertinemment qu'il était responsable de l'absence d'enfant et que du côté de la femme, les bilans sont revenus normaux, mais qu'il n'a pas le courage. Et l'honnêteté nécessaire de dire à ses parents ou à ses amis, en réalité, s'il n'y a pas d'enfant dans notre couple, c'est moi qui en suis responsable.
et parfois va même jusqu'à être complice de la stigmatisation dont la femme est victime. Donc, se retrouve avec ses parents, malheureusement, se retrouve avec ses parents, et il se trouve que, au lieu de protéger la femme, a tendance à livrer cette femme-là à la famille ou à des amis. Très bien. Miss Conan qui vient de s'installer, bonjour. Bonjour, Miss Alani. Alors, après ces prévisions astrologiques favorables, vous voyez... danser presque dans le studio. Pas du tout. Si, si, si. Alors, on revient sur les thèmes qu'on a abordés pendant l'année écoulée, donc on en est au problème des couples sans enfants. Tout à fait. Quand on a abordé ce thème-là, on a eu encore plusieurs appels de personnes qui ont appelé pour donner des exemples de ce qu'elles vivaient, de femmes qui expliquaient qu'elles avaient eu éventuellement un ou deux enfants en dehors de leur mariage, mais que dans le mariage où elles étaient, oui, là maintenant, elles n'avaient pas encore d'enfants, voilà. Et c'est vrai que c'était cause de certaines frictions entre son époux et elle, ou encore, vu que le mariage va beaucoup plus loin, entre sa famille et la famille de son époux. En parler a été, c'est vrai, un peu dur. On a mis le doigt sur quelque chose qui pèse aux femmes dans la société ivoirienne. Une chose qui pourtant semble anodine, on a l'impression que pour faire un enfant, il faut juste attendre que le temps soit bon, soit favorable, et puis ça vient. Mais certaines fois, il est vrai que ça devient un véritable problème pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir un enfant dans leur foyer. Il est bon de rappeler, comme Dr Bro aime bien le dire, qu'un enfant, c'est la grâce de Dieu. On ne se marie pas. Tout à l'heure, tu en as parlé un peu. Quand on se mariait, on ne s'est pas dit on se marie pour faire des enfants. On attendait des enfants, bien sûr, comme fruit de notre amour et comme couronnement de notre relation, mais pas comme résultat ou comme conséquence, condition de notre union. Donc, quand c'est dur de faire un enfant, quand on l'attend et que c'est difficile, ben, il faut se retourner, pour ceux qui croient en un Dieu, vers ce Dieu-là et lui demander la grâce d'avoir un enfant. Pour ceux qui ne croient pas, il faut se concentrer sur notre amour. Je me rappelle qu'en conclusion de ce thème-là, j'avais donné l'exemple de couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais qui avait eu un enfant à la suite de certaines... Parce qu'ils s'étaient occupés des enfants d'Ophélina, qui avaient donné de l'amour. Parce que le plus important, c'est de ne pas se focaliser, je pense que Dr Bro pourra le dire, c'est de ne pas se focaliser sur sa peine, sur ce qu'on n'a pas, mais essayer de donner de l'amour dans les orphelinats et à ses neveux et nièces autour de soi. Très bien. Monsieur Karamoko nous appelle de Oumé. Allô? Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur Karamoko. Oui. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Vraiment, merci beaucoup. Je suis ravi de l'émission. Je viens de la mosquée des filles. Et le monsieur qui parlait des sagittaires, etc. Vraiment... Je voulais le remercier, le monsieur qui a fait à côté aussi, le remercier vraiment. L'année 2013 était...